Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora pour un nouvel épisode, c'est parti. Alors, on va faire la quête suivante, livraison spéciale. Un pilote de la RDA s'est écrasé à bord d'un scorpion rempli de matériel médical. J'ai vaincu les unités qui le cherchaient et récupéré le matériel. Enquêtez sur le site du crash pour trouver la trace du déserteur de la RDA affichée sur la carte. C'est donc ici, ça tombe bien parce que c'est tout près d'une base ici qu'on a débloquée, la station de la solitude. Et c'est parti. Alors, on va commencer par voir si on a encore de l'énergie et compagnie. Qu'est-ce que ça donne niveau énergie? Ah, on va prendre un plat préparé. Hop, c'est parti. Bon, on doit trouver des trucs médicaux aussi, on n'en a plus, mais c'est pas grave, on finira bien par trouver. Et on va dans direction du site du crash qui est là-bas. Au passage, on essaye de récupérer quelques petites ressources sympas. Niveau flèche, qu'est-ce que ça donne? On va faire des flèches pour l'arc lourd. On a ici ce qu'il faut pour hop pouvoir encore créer d'autres flèches. Et voilà, prendre celui-là aussi. Et zou, on est à 27, c'est pas mal. Près de l'eau, il y a généralement des trucs pour se soigner. J'en ai pas vu, mais c'est pas grave. Il me reste encore deux graines de soin. Là-bas. Ça, c'est un arbre de soin. Donc on peut prendre des graines de soin ici. Et voilà, comme ça. Ah, c'est pollué, pas de bol. Zut. Ah oui. Et quoi? Si c'est pollué, ça veut dire qu'il y a un site pas loin. Hein. Il doit y avoir un site dans le coin qui pollue. Bizarre parce que j'ai tout... Ah oui, non, par ici peut-être. Faudra peut-être aller voir par ici s'il n'y a pas un site qui pollue. Hein. On verra après. On fera une petite reconnaissance après. Le site du crash est ici. Méfions-nous. Il n'y a personne. Je pense qu'on l'a déjà nettoyé, je crois. Il n'y a personne. Bon, tant mieux. Des pièces détachées. Encore des pièces détachées. Enquêter sur le site du crash pour trouver la trace du déserteur. Ok. Encore un truc ici. Commencer l'enquête à gilet. Ok, on va fouiller là. Une ration. Est-ce qu'il y a encore des choses à récupérer? Oui, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Commencer l'enquête. C'est quoi ça? Matériaux médical. J'avais trouvé un gilet. On va essayer le gilet. C'est peut-être ça. Alors le gilet, ça marche? Ça marche. Lucas a été blessé. Il s'est soigné en vitesse. C'est plein. Donc on va y avoir d'autres choses ici à repérer. Alors je crois avoir vu des... Ah, ils sont peut-être pollués aussi. Ouais, ben ça marche. Alors, il faut pas se brûler. Voyons voir ça ici. Inspecter. Pas de sang à l'intérieur. Où est passé le pilote? Il y a un point là encore. Ici. Inspecter. Non. Là, il y a un point. Commencer l'enquête. C'est peut-être lié à... Lié à quoi? Ah, il y a un truc là. Lié l'indice. Des Lucas s'est éjecté lors du crash. Le pilote s'est éjecté, mais a été blessé. Je peux le retrouver en suivant l'odeur de l'antiseptique. L'odeur de l'antiseptique. Alors, le v'là. Alors, par où? Il est parti de l'avion. On va partir dans cette direction-là. Non. Plutôt... Par là. Allez, go.
Bon, tout est pollué ici, de toute façon. Alors, on se trouve ici maintenant devant une grotte. Je vais vous montrer où on est. On est ici. Donc la station est là. Le ruisseau est là. Ça, c'était le site du crash. Et on est ici, près des rochers. La piste s'arrête ici. Ça doit pas être loin. Dans une grotte, peut-être. Ah. Hé, hey, pas un geste. Je suis de ton côté, je crois. Alors on va prendre les trucs. Encore des pièces détachées, je suis à 68. Excellent. Vraiment, j'ai de quoi faire. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il y a des munitions spéciales, mais je n'utilise pas, donc... Ah si, c'est des rations. Ça, c'est bien aussi. Alors, parlez. Tu dois être Louis De Luca. Et tu dois être une amie de Priyachen. J'ai entendu du grabuge là-bas. Bon sang, c'était toi? Oui. Je me suis chargé de la RDA. Tu es en sécurité. Je suis un humain sur Pandora, le terme sécurité est relatif. Priya, je suis avec Louis. Il est vivant. Cool. Je crois que j'ai retenu mon souffle pendant une heure. Est-ce qu'il a le matériel médical avec lui? Enfin, je suis déjà contente. Seulement, ça me rendrait encore plus contente. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Génial. Je vais dire à Anka d'aller chercher Louis. Tout le monde est impatient de le rencontrer. Priya va envoyer quelqu'un te chercher. Tu sais, je pense qu'Anka appréciera la présence d'un autre pilote. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais dit que j'étais pilote. J'ai expliqué mon plan à Priya, et elle en a déduit ça. Tu as volé jusqu'ici, non? Techniquement, je me suis écrasé ici. Mais bon, c'est pas mal pour une première. J'imagine. Tu es encore en vie. J'ai pas vraiment menti, mais... Je l'ai pas corrigé. Je me suis dit qu'elle aurait plus envie d'aider un pilote qu'un mec qui nettoie les latrines. J'espère qu'elle sera indulgente quand elle verra ce que j'ai rapporté. Eh bien, pilote ou pas, je sais que la Résistance te sera très reconnaissante pour ton aide. Je vais attendre Anka ici. À ta place, je prendrai tout ce qui est utile sur le site du crash avant que la RDA revienne. Considère ça comme un paiement pour m'avoir sauvé. Alors, récupérer le paiement de Louis sur le site du crash du Scorpion. Ok, bien on y retourne. Hein. J'ai quand même équipé une arme, on sait jamais. Le jeu a l'habitude de nous faire des embuscades. Non, ça... Ah ! Non, ça a l'air d'aller. Il est où le truc à récupérer, c'est ce truc-là. Récupérer. Terminer livraison spéciale, ben voilà, c'est fini. La quête est déjà terminée et on a un fusil à pompe, maître des bêtes. Ça, c'est pas mal par contre, hein. On pourra peut-être l'équiper. Et des pièces détachées. C'est pas mal du tout la récompense. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est... équiper le fusil à pompe ici, peut-être, comme il est extrêmement puissant. Où est-ce qu'il est, le maître des bêtes? Tiens, c'est bizarre.
Il doit être ici. 140 de dégâts. Munitions électriques. Fusil à pompe, maître des bêtes. Ok, mais on va l'équiper. Je crois que c'est bon. Donc ici, on a bien... Bah non, il l'a pas équipé. Ah si, il l'a équipé là. Mais moi, je voudrais bien le mettre là. Équipé. Voilà. Mettre ici. Ouh, ça me met direct en puissance 8. Bah, c'est relatif, évidemment. Alors, niveau... Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On est bien sur le 140. Non, le 140 est là. Tiens, pourquoi il l'a pas mis? J'ai quand même du mal avec ce système de d'armes et de ce qui est équipé et pas équipé. Ah oui, on voit qu'il est équipé, ok. Il est équipé là, il est équipé... Ouais, j'ai compris. Évidemment, c'est malin. Voir. Et alors maintenant, on va essayer de lui mettre des modes intéressants. Hein. Ouais, mais j'avais des modes de fusil à pompe, je crois, au niveau de... Au niveau des chargeurs, dégâts au point faible, 13%. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. 13%. Ok, rien du tout. Bon, bah la quête est terminée. Ce qu'on peut faire, c'est prendre notre envol pour un petit peu voir où est l'usine polluée. Il y a un truc qui doit polluer quelque part ici. Donc on va faire une petite reconnaissance en Ikran. On va appeler l'Ikran ici. On va essayer de voir si on peut pas trouver l'usine qui pollue ce truc ici. Il doit forcément y avoir quelque chose qui pollue. Allez, go. On va prendre un petit peu de hauteur. Et c'est parti. Essayons de trouver cette usine. Prenons encore un petit peu d'hauteur. Voilà. On va aller un petit peu au-dessus des arbres. Attention. Quelqu'un m'a repéré. Voilà, je me suis tiré dessus. Waouh, j'atterris là. Et je suis mort. Génial. Réessayer. J'ai sauté de trop en fait. Ah, ça va. J'ai rien perdu. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de mes armes? Tout est encore ok. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus en fait? Ah, le truc là. On va enlever ça là. Il y a un truc ici, plus loin. Voilà. Bon, la mort n'est pas vraiment punitive hein, dans ce jeu. Vous l'aurez remarqué. Je vais aller voir un petit peu où est cette usine. J'aurais dû mettre un point dessus hein, pour bien faire. À mon avis, elle est là. Allez, c'est tout droit. Je peux probablement encore... Ah non, non, non. Ouais, j'ai bien fait de pas le faire. Ah, voilà l'usine. Il perce directement à flanc de colline. Ça doit être un gros tunnelier. Ces engins sont un vrai fléau. Là, tout ça est pollué, hein, donc... On peut rien récolter. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a des tourelles. Est-ce qu'on voit ce que c'est sur la carte? Non, on voit pas. On va enlever le point de repère, hein, puisqu'on l'a vu. On voit les tourelles. Il y a plein d'unités auxiliaires connectées au tunnelier. Mais bon, il faut que tu neutralises ces unités, évidemment. Niveau 6, ça va, hein, on est tranquille, on peut le faire tranquille. C'est la mine horizontale Charlie. Ça, c'est déjà une bonne information à savoir. Bon, on va essayer de s'infiltrer. On va faire le tour. On va éviter les tourelles. Il y a des tourelles partout. On va essayer de passer à un endroit où il n'y a pas de tourelles. Ou on va essayer de les détruire de loin. Je sais pas si c'est jouable. On va essayer de voir si on peut pas passer sur un côté sans qu'on nous voit. Pas rester un bleu bien longtemps. T'aimes vraiment t'écouter parler. Voilà. Il y a des... Ouf. Misère, il y a des... Il y a des gardes. Bon, ils sont éliminés tous les deux. Bon, on fait du dégât, mais c'est pas grave.
C'était une patrouille. Bon. On va essayer de s'infiltrer. Déjà, ce serait bien de tirer sur la lampe. Bonne chose faite. On va essayer de passer par ici. Il doit bien avoir une faille quelque part pour rentrer. Hop. Voilà, ils ont déjà donné l'alerte, je le crois pas. Ça va pas traîner, hein, pour l'alerte. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut partir d'ici. Je repère tous les ennemis. Ok, un robot là. Il y a le truc là. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus gardé. On peut passer par ici pour rentrer. On va rentrer par ici. Tout formulaire C098 incomplet sera pas créé et devrait être rempli de nouveau. Allez, hop. Faire les objectifs. On va péter les lumières aussi, hein. Ça va compliquer leur tâche pour nous repérer. Ah, ça marche pas, tiens. Ah non, ça n'a pas marché. Je suis peut-être trop loin. Ok, on avance. Il y a un objectif là-bas. Plus des gardes. Je tente quand même de péter les lumières. Attention, le brouillard risque de durer. Soyez prudent. Tiens, on peut faire un truc avec notre... On peut saboter le panneau là ou quoi? Je sais pas trop. Il y a des clans de Navi qui mangent des soldats de la RDA. Les faux bleus ont été repérés dans la forêt près de la base. Restez sur vos gardes. Un de moins. La vanne est là. Raté, il est passé derrière. Attention, un soldat là. Élimination. Et élimination, c'est fini. Ok, celui-là il va là-bas. Alors je vais essayer de passer. Faut que je descende. Faut que je descende sans me tuer. Sans mourir. Hein. Parfait. Voilà bien mis. Un soldat. Raté, il doit être derrière les trucs. On monte pour saboter le premier truc. Je vois pas de garde. Et le truc à saboter est ici. Je sabote ça. Et on se casse. Et hop. Les lampes, toujours pas les péter. Non. Bon, c'est des trucs perdus. Et on continue. J'aime vraiment pas ça. Ok. Le robot est là. C'est le moment. Je l'ai raté. Il n'a pas eu le temps de donner l'alerte.
Il y en a tout près là. Il s'approche, attention. Par où est-ce qu'il regarde? Par ici. C'est le moment où il est. Je peux l'avoir dans son dos. Ok. J'ai pas très bien joué, mais bon, il est éliminé. Où sont les suivants? Il va y avoir d'autres cibles pas loin. Là-haut. J'aime pas les pentes ici. Trop dangereux pour moi. Ok, il est là-bas. Trop tard. Il y a trois cibles, mais la deuxième est là-haut. Je sais pas où est la troisième. Je pourrais leur balancer une bombe atomique et basta. Faut qu'ils se mettent de dos, hein. Trop tard. Pour descendre, hein. Voilà. Ils nous ont pas vus. Coup de bol. Terminé. Faut tirer vite, hein. Je déteste cette forêt. C'est trop humide pour moi. Il y a un garde là-bas. Non, c'est une tourelle. Alors, l'autre truc se trouve là-haut. Attention parce qu'il y a encore des robots en haut. Par où est-ce que je vais grimper? Attention. Je sais pas s'ils peuvent me voir. Je suppose que oui. C'est une vie, on va tous les éloigner. Qu'il faut grimper par au-dessus, mais. Rappel à toutes les patrouilles du jour. Vérifiez toujours vos angles morts. On ne sait pas qui peut se cacher dans les broussailles. Comment je peux grimper là-haut? Comme ça. Comme ça, c'est ça. Waouh, attention.
Kratty. Est-ce qu'ils m'ont vu? Oui, ils m'ont vu. Il faut vite dégager. Ah, ils appellent des secours, zut. Avoir droit à un hélico. À toutes les unités, le périmètre de la base a peut-être été compromis. Et zut. Va falloir voir où l'hélico va déposer ses petits amis. Où est l'hélico? Je l'ai raté. Purée zut, je l'ai raté. Où est-ce qu'il est, l'hélico? Où est-ce qu'il est passé? À toutes les unités, le périmètre de la base a peut-être... Oui, oui, oui. Zut. Oh, il approche. Ça c'est efficace, un fusil à pompe. Alerte, les hostiles ont été détectés. Ok. On y retourne. Il y en a encore un. Où est l'objectif? Il me semble que l'objectif était de l'autre côté. Je ne sais plus où est l'objectif. Zut. Je suis un peu perdu. Où est ce fichu objectif? Là-haut. Là-bas. L'objectif est là-bas. Ok. Ah oui. Ok, là-bas. Il y en avait un ici aussi. Hein. Alerte. Ouais, c'est exact. Il y en avait un ici aussi. Il y en a un là-bas, ok. Oh, je me cache. Normalement, il me voit pas. Voilà, un de moins. À toutes les unités, le périmètre de la base. On avance. Ok, je vais jeter un œil. Oh oh, problème. Ça a l'air d'aller. C'est ici hein, le truc. Alerte, les hostiles ont été détectés. Non, je vais. Oh wow wow. J'avais pas vu lui. Écrivain Chou. À toutes les unités, le périmètre de la base a peut-être. L'autre qui pendouille. C'est bien rigolo.
Eh ben mon ami, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok. Aïe aïe aïe. Je me planque là. Je prends mon fusil à pompe. Et ils arrivent pas. Bon, c'est parfait, j'aurai le temps de chercher où c'est le truc suivant. Où est le truc suivant en fait? Le truc suivant c'est là-bas, je crois. Ok, on va descendre. Tiens, il m'a quand même repéré. Moi, je me demande parfois d'où il me tire dessus. Hein. Bon, mon objectif suivant, il est là-bas. Donc, je vais courir par là. Ah, finalement, le fusil à pompe, c'est pas si mal pour le tuer de près. Ici, on peut prendre des munitions. Bah, c'est bon. Alors, où était la cible suivante? Là-bas. Ouais, là, ils sont tous prêts. Hein. Tous prêts. Ils sont chauds comme la braise. Hein. Purée. Oi 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 oi, j'aurais pas dû me mettre là. Oh ça va. Y'a quelque chose. Aidez-vous. Il faut un angle de tir. Attention, on va prendre le fusil à pompe. Voilà. Ouf, ça pète. Ça pète. Merde, c'est forcément là quelque part. Où est-ce qu'ils sont? Il est là. Et voilà mon ami. Où sont les autres? Ah, il y en a un là. Wow, blâme. C'est pas mort encore lui? Voilà. Ah, c'est... Wow, l'explosion. Bon, je crois qu'on est bon. Je vais aller récupérer un max de munitions. Et voilà. On passe sur le... l'arc lourd. L'objectif est là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-bas encore comme une tourelle? Alerte. Des hostiles ont été détectés. Oh bah c'est cool hein. Il est pas mal du tout ce fusil à pompe qu'on a récupéré dans les... dans les décombres là de l'appareil qui s'était crashé la quête précédente. C'était vraiment pas mal. Bon.
Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Péter ce truc-là? Couper ça. Ah bah on va se faire une joie de s'en occuper. Sabotage. Et voilà. Une affaire rondement menée. Un plan sans accroc. Et on va pouvoir récupérer plein de choses, c'est la mine horizontale. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'on peut récupérer. On dirait qu'ils ont pris ce qu'ils pouvaient. Alors ça, il faut l'ouvrir en le piratant. Raté. Alors, pour nous aller, voilà, 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 voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 attention, hop, allez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on récupère? Ouh, un fusil de précision. Fusil d'assaut noble. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On va regarder ça. Ah, ça devient intéressant maintenant les armes ici. Fusil d'assaut, 9 dégâts seulement. Munition étourdissante. Équipé d'un viseur réfléchissant. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des infos. Des pièces. Un tableau de service. Un PEC. Est-ce qu'il nous reste encore autre chose? Je ne vois pas. C'est bon. On va quand même sortir pour voir si on n'a rien d'autre à récupérer. Hein. Parce qu'on n'a pas vraiment exploré. On va récupérer ça. On va refaire des flèches. Parfait. Moi, je vais faire le tour. Des munitions. On a tout ce qu'il faut. On va monter un petit peu en hauteur pour voir s'il y a encore autre chose dans le coin. Voilà, je vois plus rien de spécial. Je vais voir si je peux récupérer maintenant des trucs pour me soigner. Il y avait de l'eau quelque part, je me souviens plus où. Voyons voir ce qu'il y a encore ici. Donc là-bas, c'est fait. Ça devait être par là-bas. On va aller par ici. Le but, c'est de trouver tout simplement des plantes de soins, parce que j'en ai plus beaucoup. Lève-la. Non, raté. Ah tiens, c'est quoi ça comme arbre? Écailleux, tortillé, flore. Ok. Rien de spécial. Bon, j'aimerais bien essayer de retrouver des trucs de soins. Ah, il y a des trucs à récupérer, tiens, là, des fruits. Alors, on va... Ah, ben, il y en a un par terre, je crois. Et un fruit par terre, ici. Oh, ça va péter, ça. Hop. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord péter la coque de ce truc? Voilà. Récolter. Et voilà. Encore un fruit à coque, convenable. Maintenant, j'aimerais bien retourner vers la flotte pour essayer de trouver une graine médicinale. Si je peux trouver, ce serait bien.
ça pousse généralement près de l'eau. Ouais, on va les laisser tranquilles, hein. Ils vont pas m'embêter longtemps. Hop, hop, hop. On dégage. Là, je vois pas de truc de soin. Bon. Continuons vers l'autre flotte, là-bas. Ruisseau tortueux. Il y en a toujours le long de l'eau de ces plantes, là. Pour les graines. Pour se guérir. Mais pour une fois que j'en ai besoin, évidemment, je trouve pas. Là-bas. J'ai repéré un tout droit. C'est des poissons, ça? Bon. Ici. Et voilà. On récupère pour se soigner. Maintenant, on peut retourner au QG pour voir si on peut pas acheter des trucs avec les pièces pour améliorer les armes à feu. On va faire ça. Donc, direction le QG. Alors, le QG, il est... je ne sais même plus où. Le QG, c'était où, ça? Au tout début de la zone, il me semble. Le QG est là. Quartier général, on voyage rapidement. Impec. Ah, il faut manger, mais on va prendre un repas de la RDA. Comme ceci. 50% d'énergie. Ah, c'est bien. Allez, go pour trouver. Je crois que j'ai trop mangé. Mais c'est tellement bon. Continue à mener le ici. Bon combat. Troc. Tu viens te ravitailler? Qu'est-ce qu'on a? 6 de dégâts. 100 de dégâts, fusil à pompe de combattant. Mais je crois que j'ai un 140 là, non? Alors, je regarde un petit peu, attendez. Et n'oublie... est-ce que j'ai un 140 ici? Ouais, j'ai un 140 fusil à pompe. Pas tes armes. Tu viens te ravitailler? Donc alors ici, qu'est-ce qu'on a? Chargeur agrandi. Fusil à pompe, ça c'est pas mal, c'est sublime. Ça coûte 50. Ah oui, quand même, mais ça vaut la peine. Chargeur agrandi, ça c'est pas mal. Je crois que je vais prendre le truc sublime ici. Chargeur agrandi. 15% à la RDA, plus la capacité du chargeur. Je prends le truc à 50. Et je vais le mettre sur mon fusil à pompe. Ici, 140. Je vais mettre le chargeur agrandi. Je vais mettre ce chargeur-là. Ici, celui-ci. Alors, en mode de canon, j'ai 8% RDA, 15 points faibles, c'est pas mal. Je vais laisser comme ça. Maintenant, j'ai plus beaucoup de pièces parce que j'ai beaucoup utilisé. Tiens, j'ai donc, il me reste 26 pièces. On va les garder pour faire des munitions, des trucs et des machins. Et ça, c'est fait. Ne pointe pas tes armes vers toi. Ça, c'est bon. T'aurais quelque chose pour les maux de tête. Ici, je vais regarder sympa, pour le tableau. Voici ce que j'ai à te proposer. Alors, poignée incroyable, arc long. Il y a l'arc à 42 ici qui est pas mal. L'arc long électrique. Donc, je vais peut-être attendre. En plan, j'ai rien. Reste je vais toujours sur tes gardes. Retourner à l'arbre monde. Et une tige cloche qui est apparue ici maintenant. Et une tour de forage Charlie 6 à détruire. Tiens, 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 on va faire ça après. Dans un prochain let's play, on ira ici et on ira là. Buter cette tour-là, numéro 6, ça on va faire aussi. Bien, bien, bien. On va d'abord retourner à l'arbre monde. Ici. On va faire un peu de rangement. Bon, les frères coco, on peut enlever, hein. Donc ça, je vais l'enlever. Ce que je vais mettre à la place, c'est les fruits pour faire de la cuisine. Donc on va prendre ici les trucs léopards. Donc matériaux, c'est des cosses. Et on va prendre les cosses léopards. Non, c'est pas des cosses, c'est des fruits. On va prendre les fruits léopards. C'est ça ici, pâte léopard. On va prendre ça. On va l'épingler, voilà. Et alors on va réépingler les tiges cloches et les autres trucs là, ça on va faire aussi. Donc je sais pas dans quelle catégorie c'est.
que le prendre directement dans le menu, ce sera plus simple. Ici, on va directement chercher le tige cloche, doit être tout en bas, je crois. Il me semble, j'ai trouvé tellement de trucs déjà. Tige cloche est ici. Épinglé. Et maintenant, il faut trouver l'autre plante, le tarissou qui est là. Voilà. Épinglé. Parfait. La guerre ne peut pas être évitée. Direction ici. Voilà. On va mettre de côté tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc ça. Ça. Et ça, on met de côté. Ça, on va en faire un de plus. Alors ici, on va mettre ceci de côté. Ça, on garde. Combien est-ce qu'il nous reste de fruits, là, normaux? Il nous reste un paquet. Hein. Donc on va faire des plats. On va faire un ou deux plats. 22, 19, c'est bon, on est bon. Ok, on va faire des plats. C'est parti. Pour le prochain let's play, comme ça, on sera paré pour manger. On va prendre ici les trucs normaux. Ah non, ça c'est sublime, on prend pas. Convenable et convenable. C'est juste pour l'énergie. Et on cuisine. Et voilà, ça nous en fait 3 maintenant. Donc on est tranquille. Bien. Et donc on a maintenant un nouveau fusil d'assaut et on a aussi un nouveau fusil à pompe qu'on a trouvé dans le crash. Dégâts à la faune et à flore 13%, dégâts à la RDA 8%, dégâts au foin faible 5%, chargeur agrandi et dégâts à la RDA 15%. Donc 15 plus 8 et on a 140 de base, c'est vraiment pas mal hein. Et bien voilà, on va arrêter ce let's play ici. Je vous dis merci et à très bientôt pour la suite.